Voici le chat aux pattes de velours, le saxophone ténor. Le jazz, c'est une musique que les enfants connaissent moins, qui n'est pas vraiment accessible dans les grands médias, comme la musique classique d'ailleurs. Donc il fallait rendre le tout accessible, tout en étant exigeant sur la qualité musicale. Rendre le tout vivant, mais de façon rigolote, un peu à la façon de la musique des cartoons ou des dessins animés. Notre plus grande joie, ça serait qu'il y en ait qui aient envie de s'inscrire au conservatoire en sortant d'un concert comme ça, par exemple. Ou ne serait-ce, plus simplement, d'en écouter. Préparez-vous, parce que ce qui va se passer là, c'est du jamais vu. C'est un flash mob africain. Flash mob africain. Alors, il se trouve que c'est un jeune homme qui est amoureux d'une jeune femme. Et donc, il la convoite, quoi. Et pour essayer de vraiment d'arriver à avoir la femme, cette jeune femme, il a invité plusieurs personnes à venir l'aider à construire la case pour sa bien-aimée. Ouais, il y aura le flash mob et tout, et ben moi ça nous a intéressé et tout, et on l'a fait, et franchement on l'a pas regretté. C'est génial, c'est super d'avoir tout le monde ensemble comme ça, il y a une énergie qui se dégage, c'est trop génial quoi. On sent le chant des gens, c'est vraiment superbe, j'adore, je pourrais le refaire encore. On voulait faire quelque chose qui bouge et on a trouvé ce qu'il fallait. Sometimes when they ask you to collaborate with people that you don't know of, as an artist, your heart jumps a little bit. You go, oh, what if they're not so good, you know? The minute I heard her voice, I said, that's greatness, you know? And I really hope that's how you felt about me. I hope you're not pretending. I'm not pretending. Okay, she's the real voice. Me, I just rap around.